Yep. Salut à tous, je suis un petit peu en avance qu'on est en train de tester. Je suis en train de tester un nouveau réglage au niveau de la latence. On va faire un premier test, que là je vois que la vidéo fonctionne pas. Est-ce que vous m'entendez bien déjà dans un premier temps? Et ensuite, j'aimerais bien que la vidéo fonctionne. Donc dites-moi déjà. Dites-moi si vous m'entendez et si vous me voyez. Donc le son il est ok, mais par contre vous ne me voyez pas, parce que moi je ne me vois pas. Son ok. Ok. On t'entend. Ok. Vous me voyez ou pas? Son et vidéo. Ok. Donc là vous me voyez. Ok. Alors moi je ne me vois pas. Bon, est-ce que c'est grave? Non. Mais c'est un peu chiant. Mais je ne me vois pas. Bon. C'est pas dramatique. Je vais me voir dans le retour là ici. Ok. Le niveau coupe de veuche, on est comment? On est pas mal. Regardez, j'ai sorti, pour l'occasion, j'ai sorti quoi? Le phénix en feu. Parce que là, aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave, les gars. L'heure est très grave, les gars et les filles. Donc, ah, je viens de faire du rameur. Ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'il y a 40 minutes, j'étais en train de me mettre ma race sur du rameur en salle. Donc là, là, je suis chaud. Là. Je vous dis tout de suite, je suis chaud. Ouais, faut suivre sur Instagram, les gars, hein, si vous n'avez pas suivi. Regardez, je vous montre. Il faut vraiment vous abonner sur Instagram. Ah, je me fais un petit coup de pub, je suis en avance, donc je fais ce que je veux. J'espère juste que ça va marcher. Hop, tu vois, j'étais en train de préparer un petit envoi Amazon. Ah, je le ferme parce que j'ai pas envie de te montrer. Ah, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ah, j'ai une petite problème de connexion. J'espère qu'on n'aura pas de soucis. Sinon, j'ai prévu un petit plan B si jamais la connexion marche pas. Alors, je vais peut-être me mettre en latence. Ok, image ok, je te vois. Ok, alors. Ok, bon, vous me voyez, par contre, j'ai pas internet. Donc, ça, c'est un peu emmerdant. Ok, bon, on va toucher à rien, les gars, parce que je sens que je vais foutre le bordel sinon. On va la jouer calme. On va la jouer comme ça. Si ça marche, tant pis, moi, je vous me vois pas, mais c'est pas très grave. Je vois les replays, de toute façon, là, aujourd'hui, c'est en live, donc. Il n'y a pas d'effet. Ah, j'espère juste qu'au niveau de la bannière, vous avez mis un petit peu le style de la bannière. Hein, puisqu'on est quand même sur. On est sur Avatar. Hein, on n'est pas loin d'Avatar au niveau des effets spéciaux. J'ai dit à Julien que tu me mets un petit peu en mode Far West. Et il m'a mis en mode Far West. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez kiffé le petit montage. Parce que je lui ai dit, vas-y, on essaye de se faire un truc Far West. Et le nom, ah, il faut toujours dire d'où viennent les sources. La fin des conquistadors, je le dois à Stéphane, à Gabigo, qui m'avait soufflé cette idée-là il y a une ou deux semaines. Et donc c'est grâce à toi que je fais la vidéo. Donc petite dédicace à Stéphane. Philippe, il est là, j'étais avec lui il y a une demi-heure à la salle. Je vois que t'as pris déjà ta douche. Ok. Donc là, Phoenix Orange. Phoenix Orange, Phoenix Or, Phoenix on Fire, parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave. La semaine dernière, vidéo très importante sur le coronavirus. Je la remettrai en haut. Alors, je regarde le timing. On a au bout de combien de temps? Je dis ça, comme ça, je vais pouvoir la remettre précisément. Ah, bah, c'est pas indiqué. Bon, bah, je sais pas. On verra. Je vais mettre à peu près au bout de 7 minutes. Ah, je mets des petits rappels pour savoir où il faudra mettre les autres vidéos après quand on sera plus en live. 7 minutes, coronavirus. Je te remettrai le lien en haut si tu la vois. En replay. Donc ça sera en haut, à droite, à gauche, je sais jamais. Alors, commencez pas à poser des questions, les gars, parce que c'est pas un question-réponse. J'ai toute une trame. Et regardez, vous allez en comprendre parce que j'écris super mal, mais j'ai toute une trame. Donc là, on fait ça et après on pose des questions. Eh ouais, non, mais ici, c'est qui le boss, ok? Là, on parle d'un sujet. Donc on ne pose pas de questions externes. On parle d'un truc très important. Là, Amazon a décidé de mettre des nouvelles règles en 2020. Et je l'avais déjà anticipé parce que ça fait un moment que je le dis sur la chaîne. Mais tu vas voir. Un petit état des lieux, puisqu'on est un peu en avance, donc on va prendre 3-4 minutes histoire d'être bien comme il faut. Merci Romain, ça va la forme. Hello, j'ai bien sûr que j'ai déjà pris 2 cafés, évidemment, parce que sinon je ne serais pas autant au taquet. État des lieux, Amazon Europe arrivé en 2008, donc à peu près 2007-2008. Moi, je commence à vendre sur Amazon en 2009, donc ça faisait un an que c'était en place. J'ai utilisé le service expédié par Amazon on va dire, dans les premiers vendeurs, donc j'ai vu le fonctionnement du système. Et c'était déjà une révolution à l'époque. Et même maintenant, 10 ans plus tard, même 11 ans plus tard, voire 12 ans plus tard, ben, il n'y a pas vraiment de concurrents qui arrivent à leur niveau. C'est Discount. On va reparler un peu de ces Discount là, parce que bon, voilà. Mais
Est-ce qu'ils sont au niveau d'Amazon? Ah, clairement non, clairement non. Au niveau logistique, c'est la meilleure, c'est la plus grosse puissance mondiale en termes d'e-commerce et c'était déjà le cas il y a 12 ans. Donc je te la fais simple, 2008 jusqu'à 2019, franchement tout roule, rien de spécial, plateforme assez ouverte, tout le monde vient, pas de problème de création comme on peut avoir maintenant, relativement simple, mais pas vraiment de règles. C'est-à-dire que comme pas vraiment de règles, eh ben, c'est le merdier. Il faut voir que pendant 10 ans, quand il n'y a pas de règles, bah, ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Exemple, les Chinois. Ah, j'ai rien contre eux, mais ils font chier, tu vois. C'est que les mecs, c'est moins le cas maintenant. Je ne dis pas que c'est plus le cas, mais c'est moins le cas maintenant. Les gars te créent une fiche produit. Derrière, c'est du commentaire non vérifié. Ils t'envoient 3000 commentaires. Et puis derrière, bah, toi, tu l'as dans l'os. Exemple, parce que j'aime bien donner des exemples. 2017 ou 2016, moi j'étais en téléphonie. En téléphonie, on était un petit groupe. On était 3, 4, 5. On se connaissait. Bon, voilà, on se tirait un peu la bourre. Un jour, un mec arrivait. Inconnu, personne ne connaissait, parce que c'est toujours pareil, j'ai déjà parlé un peu d'oligarchie, dans des domaines comme ça, tu as toujours une sorte de petite oligarchie qui se met en place, c'est-à-dire que tu es 5-6, bon bah chacun a un peu son rang, bon bah tout le monde profite, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, bah, il y avait 3-4 très gros devant moi, bon bah moi j'étais derrière, j'étais content parce que je vendais quand même bien, je faisais 1,5 million par an, il y en avait qui étaient à 4 et il y en avait qui étaient à 10, bon, c'est pas la même stratégie hein, pour faire 10 millions ou 1,5 million, donc moi j'étais content de faire 1,5 million, eux étaient contents de faire 10. On quadrillait le truc, c'était pas mal. On avait nos produits, ça se passait bien. Les trucs n'étaient pas forcément concurrents directs. Franchement, ça glissait bien. Et un jour, il y a un mec qui arrive. Et il arrive avec des produits pas mal. Hein. Franchement, des bons produits, une marque et tout. C'était un Chinois ou c'était un Taïwanais. Ou bon, je sais plus, c'était un mec, hein, c'était un Asiatique, mais je me rappelle plus d'où il venait. C'était pas de Chine. Bah, je sais plus. Bon, bref, je sais plus. Et le mec, il arrive avec ses coques. Et en l'espace d'une semaine, il a 500 commentaires par coq, ce qui n'est pas possible techniquement. C'est que si tu fais pas du black hat sale, tu peux pas avoir 500 commentaires. Même en faisant du black hat moins sale, tu n'as pas 500 commentaires en une semaine. Et le gars, il arrive, mais il commence à nous rafler des ventes, mais méchant, quoi. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça dure 6 mois. Pendant 6 mois, ils vont bien, quoi. Ils vont bien, nous, on continue à bien vendre, parce que bon, bah voilà, tu sais pas, parce que t'as un mec qui arrive, que ça change non plus, là, c'est pas révolutionnaire. Tu peux pas tout faire, voilà. Mais sur les produits où il était là, il était bon. Et du jour au lendemain, bah, il est reparti comme il est venu. Il s'est fait dégager parce qu'en fait, à force de tirer sur la corde, il avait des commentaires non vérifiés. Donc en gros, bah, il faisait des fausses commandes, des fausses commandes, des fausses commandes, des fausses commandes. Il mettait des prix à râler pâquerettes, stratégie escalier qui est bonne. Mais sauf que lui, c'était la stratégie escalier pendant 10 ans, quoi. Et bah boum, il s'est fait taper et Amazon l'a dégagé. Mais c'était en 2016. Maintenant, un mec qui fait ça, il tient 3 jours. C'est ce que je vais un peu développer. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à 2019, c'était la porte ouverte à tout. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment des coups de pute dans tous les sens. Je ne dis pas que ce n'est pas encore le cas, mais c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que si tu te fais choper, tu dégages direct, chinois ou pas chinois. Parce que je sais, je n'ai pas encore regardé les commentaires, mais qu'on va me dire que les Chinois sont avantagés. Oui et non, ça commence à être de plus en plus strict pour eux. Après, quand ils sont chopés, qu'ils recréent des comptes, bah maintenant, pareil, c'est un peu plus dur. Donc c'est beaucoup plus dur. Donc il faut le voir de manière un peu globale, c'est que de 2008 à 2019, tout était simple, mais comme il n'y avait pas de barrière à l'entrée, encore une fois, eh ben, c'était l'ouverture à tout le monde. Donc l'ouverture à tout le monde, qu'est-ce que j'entends par ça? Les auto-entrepreneurs, ok, les auto-entrepreneurs qui déclarent rien, les auto-entrepreneurs qui ne sont pas vraiment des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que les mecs, ils ont un truc qui est périmé. Ils déclarent rien, les Chinois qui déclarent rien, les autres pays qui déclarent rien. Donc en gros, on avait vraiment une concurrence qui était déloyale. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de la concurrence tant qu'elle est loyale. C'est-à-dire que si tout le monde voilà, paie ses impôts et ci et ça, et moi je suis passé en France en plus, donc je suis bien placé pour le dire, parce que j'ai quand même des concurrents dans beaucoup de domaines qui sont pas en France et qui on n'a pas tout à fait les mêmes règles. Bon. Donc moi, j'ai vraiment les règles françaises. Et en tant qu'organisme de formation, j'ai les règles x10. Hein, donc là, j'ai vraiment. On a beaucoup beaucoup de règles. Mais on a beaucoup de règles, mais d'un autre côté, on profite aussi d'autres avantages. Mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et donc, il faut le savoir que ça commence à se compliquer. Donc je continue, 2019, on commence à avoir un début de changement de stratégie par Amazon. Ça a commencé par quoi? La TVA UK. J'avais fait une vidéo, je la remettrai, donc je la remets vers 15 minutes. Ah, tu vois, je suis organisé, moi, je te mets les petites notes là, 15 minutes UK. Comme ça, je remettrai la vidéo UK en haut. Pour récupérer le numéro de TVA UK. Bon, ça, c'était plutôt lié au Brexit. Et ce qui s'est passé, c'est que si tu n'avais pas le numéro de TVA UK, tu ne pouvais plus vendre sur l'Angleterre. Et là, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille il y a un an, parce que c'était en janvier 2019, je me rappelle.
Et je me suis dit, ça commence à être le merdier parce que un numéro de TVA, on ne peut plus vendre sur un pays si on l'a pas. Et là, Bibi s'est dit, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un putain de génie. Hein. Donc forcément, tu vois, j'ai toujours un coup d'avance. Je me suis dit, oh là là, ça, cette histoire, ça pue. Qu'est-ce qui se passe? Quelques mois plus tard, on a quoi? La même chose avec l'Allemagne. TVA allemand, si t'as l'Allemand, TVA allemand, si t'as pas l'Allemagne, bim, tu peux plus vendre sur l'Allemagne. Et là, Bibi s'est dit, oula, ça fait déjà deux. T'as compris? Si t'es pas trop con ou trop conne, t'as compris un peu où j'allais en venir, hein, normalement. Mais bon, je ralentis un peu parce que je sais qu'on n'a pas tous le même niveau. Donc on ralentit, tu vois, je laisse pour digérer un peu l'information. Donc TVA UK, TVA allemand, si tu les as pas, tu peux pas vendre sur les plateformes. Ça, c'était 2019. Ok. Ah, je ralentis pour que tout le monde monte dans le train, tu vois, parce que je les connais. Moi, j'ai 2000 membres, tout le monde va pas à la même vitesse. Hein. Donc là, on est là, il y a encore plus de monde. Donc j'attends, je vous laisse digérer l'information. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à creuser un petit peu depuis 2019. J'essaie de chercher de l'information. Fin 2019, on a les blocages à la création des comptes. Ah putain, je fais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Le blocage, création des comptes, assez fréquent. Donc ça se débloque. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui se débloquaient, mais ça prend du temps. Ça peut prendre un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une couille quelque part. Je vais commencer à creuser, je commence à chercher des contacts en interne. Alors, je suis toujours en train de le faire, hein, parce que c'est galère. Amazon, c'est comme la France. Hein, c'est un millefeuille le truc. Ils bossent dans tous les sous-groupes. Donc, je commence à boum, 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 creuser. Ako, mais hey, qui veut croire que je vais lui balancer toutes les infos comme ça? Hey, il y a une vidéo, il y a le référencement naturel qui doit se mettre en place, il faut que les gars restent. Donc je ne vais pas balancer toutes les informations, je ne vais pas faire le précoce youtubeur, tu vois. Je retiens un peu la sauce, tu vois, je retiens l'information. C'est pareil. Donc je retiens, et comme ça fait monter le référencement naturel aussi. Comme ça, vous restez sur la vidéo. Je suis un petit malin. Donc en gros, je commence à chercher des informations pour voir ce qui se passe sur les blocages. On commence à avoir des retours et tous les retours un peu dans le même sens. En mode, ouais, c'est un peu des blocages parce que on est en train de mettre en place un nouveau concept, une nouvelle stratégie. Et là, je me suis dit, putain, ce truc que je voyais depuis 2019, là, c'est en train de se mettre en place. Derrière, on arrive en 2020, ouais, bonne année, etc. Super cool, 2020. On reçoit un message d'Amazon qui dit, attention, à partir du 31 janvier 2020, si vous n'avez pas le numéro de TVA français, on peut plus vendre sur la France. Et là, si t'as pas compris, ça fait déjà 3. Donc tu te dis, putain, il y a un truc qui est chelou, quoi, tu vois. Et donc, 31 janvier, ceux qui n'ont pas de numéro de TVA français, donc petite information pour ceux qui ne l'ont pas, il faut simplement, donc quand vous êtes auto-entrepreneur, tiens, je te donne une petite pépite, Ako, comme ça, tu vas être content, tu vas attendre un petit peu. Ako, petite information, si t'as pas de numéro de TVA et que t'es auto-entrepreneur, il faut que tu ailles au SIE, donc service des impôts des entreprises de ta ville, de ta commune, et que tu ailles leur demander ton numéro intracommunautaire. Donc tu y vas, tu leur demandes, tu ramènes un cavis, enfin votre équivalent, là, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle, là, le cas. Bon, dites-le-moi, parce que j'ai toujours un nom, un doute sur le nom là, de votre cavis, auto-entrepreneur. C'est un autre nom, là. J'allais dire un truc, mais c'est un peu vulgaire, et ce n'est pas mon genre, donc je ne vais pas le dire. C'est vraiment cavis ou c'est un autre nom? Du cavis auto-entrepreneur. Comment ça s'appelle votre truc, là? Non, pas le Siret, c'est un autre nom, un nom spécifique, spécial, Cabis auto-entrepreneur, c'est pas Cabis. Bon, Cabis, ok, bon bah c'est Cabis. Donc en gros, il y en a un qui m'a pété les couilles il y a 6 mois parce qu'il m'a dit que c'était pas Cabis, et maintenant c'est Cabis. Faites vraiment chier les gars avec vos trucs. Bon bref, on va dire que c'est Cabis. Le caco, bon, on s'en branle. C'est de Cabis, vous avez compris ce que c'est pas très important. Donc tu vas avec ton cabis, tu vas au SIE, tu leur demandes le numéro de TVA intracommunautaire. Une chance sur deux, tu tombes sur qui? Une meuf qui en a rien à foutre, qui va te dire que c'est pas possible. Donc elle va te dire que c'est pas possible, donc tu vas demander à quelqu'un d'autre de compétent et il va te le donner. Ou tu peux envoyer un mail. Moi c'est ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai demandé ça? J'ai demandé ça. J'en ai besoin. Ah oui, j'en ai besoin bah, pour demander les autres numéros de TVA. J'ai besoin de la preuve comme quoi j'étais bien enregistré au numéro de TVA français. Donc j'ai envoyé un mail. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet, sur Google, je tapais SIE Rambouillet, mail, et j'ai trouvé son mail. J'ai trouvé le mail, hop, j'ai envoyé un mail, et franchement, j'ai une réponse assez rapide. Donc là-dessus, j'ai pas de vanne, parce que bah, c'était rapide, nickel, donc trop cool. Donc le cabis, bon, c'est un cabis, ok, je croyais qu'il y avait un autre truc. Donc derrière, j'ai reçu mon truc. Donc vous, c'est pareil, numéro TVA intracommunautaire depuis le 31 janvier. Donc tu vois, ça commence à se compliquer. Enfin, se compliquer.
commence à avoir des trucs. Il faut commencer à devenir un peu plus sérieux. Donc, blocage au démarrage, ça je l'ai dit, Teva français, les blocages au démarrage qui sont en train de se débloquer, mais un peu au goutte à goutte. Donc, la solution, il y a une solution qui peut être intéressante pour ceux qui sont bloqués. Ceux qui sont bloqués, passez par le médiateur de la République. Moi, j'ai plein de membres qui le font. Donc, le médiateur, vous, pareil, voilà, faut se débrouiller un petit peu. Je vais pas tout vous mettre là, vous vous débrouillez un peu. Vous tapez médiateur de la République sur Google et vous allez trouver un formulaire à remplir. Vous le remplissez, vous dites que vous avez un blocage de compte Amazon. Qui est en abus de droit, etc., parce qu'ils n'ont pas à bloquer les comptes. Sinon, dans ce cas, ils disent on ne prend plus de vendeurs, mais ils ne vous pas des comptes. Il se trouve que vous ne prenez pas les 47 euros directement de l'abonnement. Parce que sinon, là, c'est un peu abusé, quoi. Donc, médiateur. Voilà, Romain, je sais que tu l'as fait. Et il y a des membres qui ont eu des retours assez rapides du médiateur. Et ça, c'est plutôt une bonne solution. Ensuite, on a une autre solution. Les membres, là, parce que je vois que j'ai beaucoup de membres, c'est toi, Kevin. C'est toi, Kevin, qui a eu un déblocage hier, il me semble, au bout d'un moment. Mais tu peux expliquer vite fait comment tu as fait le déblocage. Ça peut être intéressant. Il me semble que c'est toi. Mais ouais, c'est toi. Alors vas-y, explique-nous. Est-ce que tu peux laisser un petit message? Et après, je vais le dire à l'oral pour ceux qui ne regardent pas forcément le chat et qui écoutent la vidéo. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire? Et moi, je vais dire ce que tu as fait, parce que je ne me rappelle plus exactement. Ça va être intéressant. Hop. Ok, donc on continue. Là, ça commence, donc il y a eu les blocages. Donc les déblocages sont en train de se faire au goutte à goutte. Et via Kevin, on va avoir quelques informations complémentaires qui vont peut-être pouvoir vous aider. Donc là, le sujet, ce n'est pas le déblocage de compte, mais ça rentre dans la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. En gros, pour faire simple, il y a de plus en plus de blocages. On a également un blocage qu'on a vu et que moi j'ai vu, parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant: j'ai fait dropshipping, je me suis fait bloquer, enfin suspendre par Amazon. Et je leur dis, les gars, ça fait 2 ans que je vous dis de ne pas faire de dropshipping sur Amazon. Donc au bout d'un moment, je ne vous fais pas ma stratégie, je ne vais pas commencer à faire le SAV. Surtout que moi, je vous ai déjà dit, le dropshipping sur Amazon, attention, danger. Déjà, début 2018, je le disais déjà. Enfin, courant 2018, je le disais déjà. J'ai une vidéo comme ça, pareil, où je parle dropshipping et Big Buy. Ça tournait vers octobre ou novembre ou décembre 2018. Donc ça fait quand même un moment. Et je le disais déjà, attention dropshipping, attention danger. Et c'était il y a déjà 1 an et demi. Alors là, maintenant, j'ai des gens qui me contactent en me disant: j'ai ouvert une stratégie, une boutique Big Buy que j'ai connectée à Amazon, j'ai fait 3 ventes et je me suis fait suspendre. Alors là, je leur dis, les gars, ça fait plus d'un an et demi que je vous dis déjà, ça, c'est une stratégie de merde. Parce que franchement, connecter, en fait, plus c'est facile, plus c'est une idée de merde. Parce que forcément, tout le monde le fait. Ouvrir une boutique Big Buy, créer avec le connecteur les produits sur Amazon. N'importe quel pimpin peut le faire. Au niveau papinade, on est à 100 sur 100, tu vois. Donc là, si tout le monde peut le faire, sachant qu'il y a quand même beaucoup de pimpins sur cette planète, forcément, tout le monde le fait, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, il n'y a aucun intérêt commercial. Et deuxièmement, les marges, elles ne sont pas intéressantes. Parce que la marque qu'on retrouve sur Big Buy, dont j'ai plus le nom en tête, c'est une marque que Big Buy a. Donc en gros, le produit que tu achètes 8 euros sur Big Buy, tu le trouves à 3 euros sur Alibaba. Donc en fait, tu ne peux pas marger en l'achetant aussi cher. Et donc, tu as 3% ou 5% de marge. Honnêtement, pour 3 ou 5%, il faut autre chose. Hein. Ça sert à rien, quoi. Bon, alors, Kevin, tu m'as fait ton petit récap, là, ou quoi, là? Il s'est endormi, là, ou quoi? Hey, Kevin, tu t'es endormi ou tu es en train de nous écrire un roman? Parce que là, tu vois, au bout d'un moment, moi, j'ai une trame. Hein. Donc, après, il faut qu'on soit dans la trame. Hein. donc, il faudrait que tu te dépêches un peu. Ah ouais, donc bon. Donc voilà, au niveau pimpinade et au niveau pimpin, on est pas mal. Donc dropshipping, je vous l'ai déjà dit, honnêtement, ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est beaucoup trop. Il est en com. Alors, moi, je l'ai pas. Qui voit le message de Kevin? Moi, je l'ai pas, le message de Kevin. Alors, ok. Je l'ai pas, moi. J'ai que ton oui. Bon, je vous ferai une autre vidéo un autre jour parce que... Ah ok, d'accord. Ok, bon, Kevin, il fait sa pince et il veut pas lâcher l'information sur le chat. Donc en mode, c'est que pour les membres. Pas de chance. Donc tant pis pour les non-membres. Ah, c'est rétention d'informations. Donc, dropshipping, c'est la merde. Le retail. Donc, petit point sur le retail. Le retail, c'est quoi? C'est tu vas voir un grossiste ou tu vas voir une marque et tu vas revendre
les produits d'une marque ou d'une licence qui ne sont pas à toi. Exemple, c'est un exemple à con, mais c'est, tu vois, par exemple, un casque Bose, tu vas voir un grossiste ou tu vas voir la marque Bose, bon, ce qui n'arrivera pas, hein, mais c'est juste pour l'exemple, la marque Bose, et tu vas dire, ouais, je veux revendre ton produit sur Amazon. Il y a quelques années, c'était relativement simple parce qu'il n'y avait pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'un vendeur, par exemple, des casques Bose, on pouvait avoir 50 vendeurs tiers. Donc, les vendeurs tiers, c'est nous. Ce n'est pas Amazon. Amazon, c'est eux qui détiennent la plateforme et qui vendent. Donc, c'est Amazon qui vend directement. Et tout ce qui n'est pas Amazon, donc nous, Marilène, Kevin, Olive, William, Thierry, tous les autres, on est des vendeurs tiers. Tiers, OK? Donc, les vendeurs tiers pouvaient négocier avec des grossistes, avec la marque et revendre sur une fiche produit. Au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, Amazon a déjà, par exemple sur l'iPhone, tout ce qui est Apple, c'est beaucoup plus compliqué c'est même, je crois qu'il n'y a plus qu'Amazon qui peut vendre directement des produits Apple. Alors que l'année dernière, on avait plein de vendeurs qui le faisaient. Donc, il y a plein de marques qui passent uniquement par Amazon. Donc, le retail, ça devient de plus en plus complexe. Derrière, au niveau grossiste, Amazon demande de plus en plus de… Il y a de plus en plus de restrictions, donc il y a de plus en plus de documents à apporter pour éviter quoi ? La contrefaçon. Parce qu'il y a eu toute une guerre contre la contrefaçon, parce qu'il y a 2, 3, 4 ans, on avait des produits Nike, des produits Adidas, des produits Reebok qui étaient contrefaits. On se trouve avec des maillots de foot… au quart de son prix et on avait un gros problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils ont fait la chasse contre ça et les mecs qui croient qu'Amazon c'est à lui. Et avec Jeff, on a commencé à mettre en place une stratégie. Ah, c'est mon père en fait. Et avec papa, j'ai dit bon, là, Jeff, papa, ça commence à être chaud. Donc, on va peut-être dégager un peu les contrefaçons, tu vois. Et donc derrière, on a dégagé… Non, c'était une blague parce qu'on ne sait jamais. S'il y a un pimpin qui pense que Jeff, c'est vraiment mon père, déjà, il est américain. Moi, je ne parle pas américain. Donc déjà, ça veut dire qu'il serait venu à 34 ans à Rambouillet. Il a ken ma mère et il s'est rebarré aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est pas possible. C'est pas mon daron. Donc, c'est pas possible. Tu vois. Bon, je préfère préciser parce que des fois, je me dis qu'il y a des gens sur Internet, on va dire « Ah, putain, Olivier, le secret, en fait, c'est le fils de Jeff Bezos et tout. » Donc non, c'est une vanne. C'est une vanne. Mais je préfère préciser quand même. Et donc, retail de plus en plus compliqué à cause des contrefaçons. Donc, on a de plus en plus de règles qui sont mises en place et c'est devenu de plus en plus chaud. Je ne dis pas que c'est impossible encore de le faire, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, on a eu ça. Ensuite, on a eu la guerre contre les fiches produits en doublon. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'on faisait, je dis « on », les vendeurs tiers. C'est par exemple, le casque Bose, il était sur une fiche produit A. Il y avait 50 vendeurs, et moi je crée par exemple une fiche produit B avec le même produit, mais un nouveau code AN. Sur GS1, je prends un code AN et je mets ce produit-là. Alors GS1 à l'époque on pouvait le faire, maintenant c'est plus compliqué parce que c'était relié à une marque et Amazon. Si la marque elle n'est pas enregistrée sur Amazon, tu ne peux pas créer tes codes AN comme ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais à l'époque tu t'en foutais, tu prenais un code de GS1, même pas. Tu faisais tes propres codes, ouais, c'était un peu malin, tu faisais tes propres codes et hop, tu faisais ton annonce Bose. Tu faisais un référencement de bâtard et hop là, tu l'es niqué. Après, forcément, les mecs, ils voient que tu es devant eux, hop, après, ils revenaient vers toi. Donc, c'était pas une stratégie long terme. Ou sinon, ce qu'il fallait faire, ouais, mais là, je te donne des petites astuces de petits salopards de 2015-2016, c'est que tu mettais une petite différenciation. Tu mettais ça avec, ouais, encore une fois, petite différenciation. Tu mettais une petite merde avec et hop, ça allait bloquer. Et tu pouvais vendre des retails comme ça. Bon, maintenant, c'est chaud. Parce que déjà, dès qu'il y a un doublon, il supprime. Et surtout, si ton code barre, il n'est pas relié à une marque et la marque c'est pas Bose, c'est plus possible de le faire. Donc c'est vachement, vachement plus compliqué. Mais à l'époque on pouvait le faire. Donc les doublons ça a commencé à dégager. Ensuite on s'est retrouvé avec marque obligatoire. Bon là ça fait déjà, c'est pas récent, ça fait déjà un ou deux ans. Marque obligatoire pour le contenu amélioré. Donc quand tu as des photos dans ta description, sur ta fiche produit, marque obligatoire. Donc ça fait déjà un moment. Ensuite récemment quand tu voulais créer ton fichier ou quand tu veux créer une fiche produit que tu n'as pas de marque, faut mettre NA ou générique. Donc ça c'est en mode tu peux plus mettre une marque qui n'est pas enregistrée à l'INPI. Et aussi quand tu n'as pas de marque, tu peux pas faire de la pub en headline. Donc ça fait déjà quelques années. Donc en gros, tu vois le truc, je sais pas si tu vois là normalement vous avez vu un petit peu où j'allais en venir, c'est que ils sont vraiment en train d'orienter sur des stratégies de marque comme moi je vous explique depuis le début. Donc, je vais te dire, ça m'arrange, c'est que c'est exactement ce que je vous explique depuis bientôt deux ans.
Au moment où je tourne la vidéo, donc on tourne la vidéo le 20 février 2020, pour ceux qui la regardent en replay, 20 février 2020, ça fait à peu près 2 ans que j'explique que Amazon, il faut une stratégie de marque pour pouvoir avoir le maximum de contrôle, même si sur Amazon, tu n'as pas un réel contrôle, mais au moins un minimum de contrôle sur ce que tu fais. Et c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Puisque là, on se retrouve avec deux voies. On se retrouve vraiment avec deux voies. Et comme moi, je fais du marketing, je leur ai donné des noms. Eh ouais. Je l'ai appelé la voie de la team Moineau ou la team Phoenix. La team Moineau, c'est ceux qui vont ramasser les miettes. Certes, la team Moineau a ramassé les miettes à court terme. Parce que je pense qu'à moyen terme, ils vont même, les Moineaux vont se faire bouffer par les Phoenix. Tu vois. La team Moineau, c'est auto-entrepreneur. Je ne dis pas ça de manière péjorative parce que c'est très bien de commencer auto-entrepreneur, mais toujours dans l'optique de se dire c'est un tremplin pour ensuite faire une structure qui va te permettre de vraiment faire du chiffre d'affaires, qui va te permettre d'en vivre ou arrondir ses fins de mois, mais de manière professionnelle. Moi, je l'ai toujours dit et je le dis de plus en plus, la vente sur Amazon, c'est un boulot. C'est un vrai boulot que tu apprends. Moi, je forme des gens qui vont devenir des spécialistes, même dans le e-commerce de manière générale. Amazon, c'est un point d'entrée et après, on découle sur le e-commerce. On peut très bien arrondir ses fins de mois, rester salarié, c'est tout à fait possible. Mais il faut quand même se dire qu'il y a du taf. Et ça, j'arrête pas de le dire. Je suis pas du genre à dire, ouais, il y a rien à faire. Il y a plein de trucs à maîtriser. Et honnêtement, je dis pas ça pour vraiment, prêcher pour ma paroisse. Mais sincèrement, si t'as pas les connaissances et le cadre pour faire tous les changements qu'il y a et tous les trucs qui sont en train de mettre en place, un gars qui veut pas se former, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bon, pour moi, la team Moineau, si je te fais un truc simple, c'est le mec qui se dit c'est facile de gagner de l'argent ou j'ai envie de tenter. Parce que t'en as un qui se dit j'ai envie de tenter. Ok, bon, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas vraiment de savoir pourquoi ils vont le faire, mais bon, ils le font. Bon, moi, ils le font. Ça, c'est déjà bien. Ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils créent une fiche produit pourrie. Donc, ils mettent 2000 euros sur un stock. Les photos, elles sont dégueulasses. Ils font des photos pourries. Et après, ils se donnent de rien vendre. Et après, ils vont aller gueuler sur le forum d'Amazon en disant on vend rien. Ouais, ta fiche produit, elle a chier. Donc, forcément, tu vas pas vendre. Donc en gros, c'est les gars, ils vont bricoler. C'est des bricoleurs. Team Moineau bricoleur. Avec son petit marteau, avec ses petites pattes, et il fait du bricolage. Bon, bah moi, depuis toujours, j'ai dit que ça ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps avec les moineaux parce que c'est énormément de temps. Il ne faut pas oublier que nous, dans la Team Phoenix, dans la A-Team, c'est des gars qui sont vraiment motivés et nous, les moineaux, on les voit direct. Et souvent, ils se prennent des petites tacles. Dans le groupe Facebook, quand ils nous posent trop des questions à la con, moi je suis là et il y a Ludo, je sais pas s'il est là. Ludo, lui, c'est le chef à mettre des claques. Hein. Bam, bam. Et ouais, mais d'un autre côté, on peut pas se dire, on met en place une structure, on met en place tout un écosystème, parce que c'est en train de, je dirais ça à mes membres, ça vous regarde pas, c'est pas mes membres, mais c'est un truc de dingue, en train de mettre un écosystème de ouf. Cet après-midi, j'ai deux rendez-vous qui vont encore être du lourd. En train de mettre tout un écosystème, je vais pas mettre tout un écosystème en place pour un mec qui va me dire je suis auto-entrepreneur et je m'en bats les couilles, je vais faire de la merde et c'est pas grave. Mais non, ça m'intéresse pas, il faut faire un truc cadre. Bon, Team Moineau, je vais pas passer plus de temps, ce que tu as compris. L'autre côté, Team Phoenix, ça m'intéresse déjà plus. C'est un mec ou une nana qui sait ce qu'il veut, il un H grand homme, mais on est bien d'accord qu'il y a de plus en plus de filles, et ça c'est vraiment top. Qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, moi ma vie, ok. J'ai vu l'autre pimpin sur YouTube. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a autre chose que le salariat. C'est juste ça, moi, que j'explique. Si les gens qui veulent rester salariés, qui sont contents salariés, il n'y a aucun souci. Tant mieux. C'est tant mieux. Je l'ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué. Moi, j'ai des potes. Ils sont très bien salariés. Ils gagnent plutôt bien leur vie. Ils ont un boulot qui leur plaît. Ils n'ont pas d'emmerde. Ils sont tranquilles. Et dans certains cas, le salariat, c'est sûr que tu n'as pas d'emmerde. Tu finis ton taf, ok, le soir, tu n'es pas là en train de réfléchir sur les stratégies. C'est un autre concept de vie. Et quand moi, je leur explique ma life, et ils me disent, mais jamais de la vie, on voudrait faire soi. On voudrait faire ce que tu fais, mais jamais de la vie. Et moi, quand ils m'expliquent leur vie, je leur dis, mais jamais de la vie, je veux être dans ta vie. Donc, comme ce n'est pas ma vie, que ce n'est pas leur vie, ça tombe très bien. Mais tu ne peux pas te dire que tout le monde est dans le même moule. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit, vendre sur internet c'est pas possible, je dis mec crois ce que tu veux, je m'en bats les couilles. C'est à dire que nous on vend, ceux qui pensent que c'est pas possible, c'est pas possible, très bien pour vous, moi je m'en fous, tu vois, je suis pas là pour convaincre ou pour dire ah si il faut absolument que tu prennes mon programme, tu pars pour mon programme, tu te prends pas, je m'en bats les couilles, mais vraiment, tu vois. Et on est suffisamment nombreux, j'ai suffisamment de trucs à gérer, il n'y a pas de souci. Mais moi je parle du principe que la Team Phoenix c'est quoi? C'est des gens qui se disent
On sait que c'est possible. On sait que le salariat, ce n'est pas que la seule voie pour vivre. On sait qu'il y a plein de business. Ah, le business du e-commerce, ça m'intéresse. Le business du e-commerce, ça m'intéresse. Mais je sais que ce n'est pas un chemin tout droit. Eh ben non, c'est jamais comme ça. Mais dans rien du tout. Même quand tu es salarié, une carrière, ce n'est pas un tout droit. Tu as des moments comme ça. Bah, quand tu es entrepreneur, c'est pareil. Quand tu es entrepreneur, ce n'est pas une putain de ligne droite. C'est des virages, tu es en montagne, des fois tu cales, des fois tu tombes en panne d'essence. Des fois, tu es plein de balles dans la descente. Des fois, tu es plein de balles dans la montée. Des fois, tu es un peu plus lent dans la montée. C'est comme ça. La marque Phoenix, normalement, elle sort en mars. Ça y est, on est parti, mars 2020. Le site est OK. Elle devait sortir en octobre 2019. J'ai 5 mois de retard. J'ai 5 mois de retard parce que j'ai eu plein de problématiques logistiques et autres. Mais c'est la vie. Et tu vois, comme quoi, elle porte bien son nom, la marque, parce que la marque Phoenix, elle s'est tout le temps relevée. J'aurais pu abandonner 10 fois ce projet, hein, mais même 100 fois. Franchement, il y a eu des fois, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Que des galères. Mais au final, encore une fois, il ne faut jamais abandonner. J'ai une idée, j'ai une trame, je sais que ça va fonctionner, je sais que les gens vont kiffer. Eh bah, je m'accroche. Même quand c'est la galère, eh bah, on trouve des solutions. Et c'est ça qui est important. C'est de se dire, et franchement, que les gens se forment, qu'ils fassent du e-commerce ou pas, il y a un élément qui est pour moi fondamental, et c'est ce que j'explique à mon fils de 4 ans, et c'est pareil pour les gamins, pour moi c'est pareil pour tout le monde. L'échec ou la réussite, c'est une notation qu'on donne parce que voilà. Moi je dis toujours à mon fils, on ne sera jamais déçu même si tu échoues. Ce qui importe, j'y ai encore dit ce matin, je dis ce qui importe, c'est que tu te donnes à fond dans ce que tu fais. Si tu te donnes à fond dans ce que tu fais et que t'es pas le premier ou que t'es pas le meilleur ou qu'il n'y arrive pas, que t'es pas comment dire, que voilà, que t'es pas, je sais pas, tu fais une course, tu t'es donné à fond et t'arrives 15e, ben c'est pas grave, on sera toujours fier. Mais ce qu'il faut pas, c'est de se dire je le fais pas à fond. Donc ça, c'est vraiment un concept. Ceux qui regardent la vidéo qui sont pas du tout intéressés par ce que je dis, prenez juste cette phrase qui est vraiment très importante. Quoi que vous fassiez dans la vie, pour ne pas avoir de regrets, faites-le à fond. Faites-le à fond, quoi le résultat, c'est pas important, mais faites-le à fond. Si vous le faites à fond, vous n'aurez pas de regrets. Et ça, c'est la pire des choses, c'est d'avoir des regrets. Donc faites-le, et après le résultat, échec, réussite, c'est secondaire. Et moi, je fais plein de trucs, je voulais développer ma marque de vêtements, alors j'avais dit que je ne ferais jamais de vêtements, mais je me suis dit, ouais, non, franchement, on est vraiment en train de construire une communauté avec tout ce qui va derrière, tout un écosystème, et je me suis dit, bah, ce qu'il faut une communauté, c'est une sorte d'emblème. J'ai créé l'emblème, et je me suis dit, il faut que je le partage. Bon, je ne peux pas être le seul à avoir l'emblème. Donc, je me suis accroché. Et je me suis dit, quel que soit le résultat, qu'on vende 10 polos, 100 polos, 1 milliard de polos, qu'on nique Polo Ralph Lauren, qu'on nique des grandes marques dans 5-10 ans, que je me fasse racheter par en haut, je m'en branle. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est je veux le faire. Je le fais et après, on verra. C'est ce qui compte. Une fois que les gens m'auront fait des retours, on verra le résultat. Mais ce qui compte, c'est vraiment de le faire. Et je te garantis qu'en 5 mois, j'ai fait arrêter un paquet de fois. Hein. Parce que j'ai eu vraiment beaucoup d'emmerdes sur cette marque. Mais c'est pas grave, ça te forge. Ça te forge encore une fois. Autre point qui est très important, quoi que le niveau ou ce que vous voulez faire, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les échecs nourriront vos futurs succès. On connaît tous des échecs, tous, plus ou moins grands, mais le mec qui t'a dit qu'il t'a jamais fait d'échec, alors je ne parle pas du jeu, hein, je parle qu'il n'a jamais connu d'échec, c'est un mytho. On a tous échoué quelque part, tous. Et quel que soit ton niveau, je vois qu'il y a mon pote Olive, il gère 15 millions d'euros de business, 15 millions d'euros, 15 millions, j'arrive même pas à le dire, tellement c'est beaucoup, tu vois. Ah, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec ses magasins de moto, je veux dire que des emmerdes et surtout des échecs, il en a eu, forcément. S'il me dit l'inverse, c'est pas vrai. Mais par contre, les échecs m'ont permis d'avoir la situation qu'il a maintenant. Donc c'est ça qui compte. Yup. Et c'est pour ça que j'ai créé un peu cette idée de communauté. Salut parce à tous. Que je suis un petit peu en avance, business, qu'on est en train de tester. Je suis en train de tester un nouveau réglage au niveau de la latence. Pourquoi je m'entends? On va faire un premier d'accord. Test, parce que là, je vois que la vidéo… Ah, mais j'ai pas envie de m'entendre. Ah, ça, 3 heures après, le truc se lance. Et donc, c'est vraiment important de se dire, on est dans une… comment dire? On est dans une communauté, dans une sorte d'équipe. J'espère que j'ai pas arrêté le live par contre. Non, c'est bon. Ouais. Non, c'est bon, hein, je suis toujours en ligne, hein. On est OK. Hein. Ouais, parce que là, j'ai mis pause, mais je pense que c'est pause juste sur le truc. Alors, dites-moi juste un vite fait si on est bien, tout est OK là. OK.
Merci Steph. Ah, j'ai mis la latence au plus bas, donc non, on n'a quasiment pas de décart. Nickel. Ok, merci, c'est cool. Et c'est ce qui compte. Donc, le côté communauté, ça permet d'être entre nous. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas croire, mais quand tu vas dans la rue, quand tu prends 100 personnes dans la rue, il y a 97 ou 98 personnes, si tu leur expliques que toi, le salariat, ce n'est pas pour toi, que tu veux créer ton business, que tu veux faire du e-commerce, que tu veux créer plusieurs business, que tu as plein de sources de revenus, ils vont te regarder avec des yeux en disant « Mais mec, qu'est-ce que tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» Ils vont rien comprendre. Ils vont dire « Mais tu ne peux pas trouver un boulot de salarié, arrêtez de nous casser les couilles. » Et c'est 97 ou 98 personnes à mon avis qui sont comme ça. Donc, tu as deux personnes, dont on a peut-être un qui ne comprendra pas. C'est le mec, il a fait… Tu sais, le gars, je sais pas d'avis. Tu as toujours un mec qui n'a pas d'avis, quoi. T'as 3-4 gars qui n'ont pas d'avis et t'en as un qui sera comme toi. Il va dire ouais, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Et là, forcément, tu dis ah, bah voilà. Si derrière t'es 2, 3, 4, 50 000 personnes qui pensent comme ça, bah t'es un petit peu en famille, tu vois. Donc t'as pas toutes les problématiques. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire vraiment en mode avec mes membres, c'est que on s'aide. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, Kevin, il a réussi à débloquer son compte. Il aurait pu faire sa crapule à rien dire, oh, moi je m'en tape, maintenant que je suis débloqué, je continue. C'est pas l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des infos, on fait beaucoup de mises à jour. Dès que j'ai des infos, je teste beaucoup de trucs. Des fois, je me fais un peu casser les dents par Amazon, parce que des fois, je teste des trucs borderline. Mais c'est normal, je suis un peu c'est moi qui vais un peu au front. Donc, je teste, et bah, quand je vois que c'est un peu trop limite, je le dis pas, quoi. Je le dis pas au monde pour ne pas le faire. Et quand c'est OK, que j'ai eu des bons résultats, je rebalance les infos. Alors que je pourrais très bien faire ma crapule et dire comme certains, que je ne citerai pas, mais dont j'ai vu les programmes, toutes les bonnes infos, on les met à droite, et puis les trucs pas très importants, on les met en programme. Et non, ça c'est de la merde. C'est pas un formateur si tu fais ça. Mais tu fais ça que pour la thune. Donc il ne faut pas faire ça. Tu testes, si c'est OK, tu partages. Tu partages. Et puis voilà. Et de toute façon, après, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours des petites crapules qui vont essayer de faire comme toi, etc. Mais la roue, elle tourne. C'est-à-dire que ça, il faut penser que pour réussir dans le business, il faut être un minimum intègre. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de défauts, mais par contre, j'ai une qualité, et beaucoup de membres me le disent, c'est que moi, je suis un mec intègre. C'est-à-dire que je suis très franc, je dis les choses. Donc voilà, quand il y en a qui me cassent les couilles, je dis, mais non, vas-y, tu me casses les couilles. Et je suis quand même le seul à insulter mes futurs clients ou mes clients. Mais ouais, mais aussi, c'est ça qui leur permet d'avancer. Si son truc, c'est de la merde, je pourrais dire, oui, on pourrait faire. Non, on perd pas de temps. Ton truc, c'est de la merde, mais on va le faire bien. C'est pas grave, tu vois. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je suis comme ça dans la vraie vie. Il y en a plein qui me connaissent en vrai je suis pareil. Donc je vais pas commencer à mettre à arrondir les angles parce qu'on fait des vidéos, non. Et puis honnêtement, je pense que c'est mieux d'être comme ça et d'être normal et de pas être dans le moule de tous les autres formateurs qu'on peut voir dans tous les domaines, des mecs voilà qui sont dans leur truc, etc., qui font pas de vagues. Ah, c'est sûr, moi je fais plus de vagues forcément. Je tacle à droite à gauche, je dis des choses. Je dis, voilà, le dropshipping, alors que c'est à la mode, je pourrais très bien me mettre dans le dropshipping et faire des formations là-dedans et gagner plein de thunes. Mais moi, pour moi, le dropshipping, c'est pas un business qui, moi, me plaît plus que ça. Il y a des très bons concepts à apprendre, mais moi, je parle d'un concept que quand tu fais du e-commerce, tu as du stock, tu as ta propre marque et tu crées un véritable actif. Et c'est ce que j'ai fait, moi, de 2009 à 2018, au moment où j'ai revendu mes sociétés. J'aurais fait du dropshipping, je serais pas reparti avec la thune que je suis parti. Parce que quand j'ai revendu mes marques et mes sociétés, c'est ce que j'ai construit pendant ces 9 ans qui ont eu de la valeur. Donc, c'est ça qui compte. Et le dropshipping, bref, on va pas parler de dropshipping, mais il faut voir que les vrais dropshippers ont la même stratégie que nous sur Amazon. Ils ont du stock, ils ont des marques. Et pour eux, le dropshipping, c'est juste de ne pas avoir de stock chez eux. Et c'est pas ça le dropshipping à la base, c'est ne pas avoir acheté les stocks avant de les avoir vendus. Donc, il y a aussi ça, il faut faire très attention à ça. Moi, je connais beaucoup de dropshippers qui cartonnent à plus d'un million d'euros par an. Quand je discute avec eux, je me rends compte qu'on a la même stratégie. Ils stockent juste ailleurs que sur Amazon. Mais sinon, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc, en fait, on a la même stratégie qu'eux. C'est tout à fait pareil. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne stockez pas sur Amazon et vendez sur Amazon? Et une fois que j'ai dit ça à des mecs qui faisaient 2 millions par an, j'ai l'impression que j'étais... ils étaient là, oh, putain, c'est trop bien. Mais hey, mec, c'est trop bien. Et hop, ils ont fait ça. Donc, non seulement ils vendaient sur leur site, et en plus, ils se sont mis à vendre sur Amazon. Alors, ils sont en train de le faire. Et là, je leur ai dit, si le son est très faible, il faut monter le son, les gars. Hein, parce que moi, j'ai du son, ça pose pas de soucis. Hein. Qu'est-ce que c'est? Pourtant, je suis au taquet au niveau du son. Hein. Là, je suis pas au taquet, là.
Ouais, dites-moi si le son il est un peu meilleur là. Le son est ok ou pas? Là j'ai un peu monté, normalement on devrait être un peu mieux là. Ok, bon c'est peut-être certaines personnes. Ok. Ok, bon, là j'ai fait le tour là-dessus, on est ok. Donc voilà, la stratégie pour faire un petit résumé de ce qui se passe, c'est qu'on arrive vraiment sur la fin de tout ce qui est pimpinade. Donc pimpinade c'est quoi? C'est tous les trucs qui sont trop borderline, qui sont trop amateurs. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a un ou deux ans, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu ultra professionnel. Il y a deux cas de figure, encore une fois, il y a deux écoles. L'école Moineau en disant oh putain, c'est trop dur, ferme ta gueule, on abandonne, bah abandonne mec, abandonne, fais rien de ta vie. S'il y a moindre difficulté, t'abandonnes, bah abandonne. Et moi, qu'est-ce que je te dis? Je peux pas aider tout le monde, je peux pas sauver tout le monde, il faut d'abord se sauver et s'aider soi-même. Le mec qui arrête pas de pleurnicher et me dire ah c'est trop dur maintenant, il faut créer une marque, il faut faire ci, il faut faire ça. Mec, t'as cru que l'argent il tombait du ciel, que t'allais faire comme ça et que t'allais avoir de l'argent sans rien branler? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Je l'ai déjà dit et je le répète, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de créer de la valeur. Tu crées pas de la valeur en faisant de la merde. Ça marche pas ça. Il faut créer de la valeur, eh ben ça demande du taf. Mais sauf que quand tu crées vraiment de valeur et qu'en plus tu as de l'impact sur les gens, tu ne seras jamais en galère d'argent. Le jour où j'ai compris ça, parce que je ne l'ai pas compris tout de suite, en disant, je serais un mytho si je dirais que ça fait 10 ans que je le fais, non, ça fait peut-être la moitié, 4-5 ans, depuis 2015-2016 où j'ai vraiment compris ça, mes résultats, ils ont fait ça, ça a été l'explosion. Et encore, après, je n'ai pas forcément fait tout ce que je voulais faire, parce qu'il y a une question de temps aussi, après, il faut aussi un équilibre perso-pro, mais je serais célibataire, j'aurais pas de life à côté. Mais à cette heure-ci, je ferai 10 fois ce que je fais. Après, c'est juste qu'il faut savoir aussi ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être uniquement taffer et être milliardaire, ou est-ce qu'on veut bien vivre, faire un truc qu'on kiffe et avoir du temps à côté? Alors moi, je préfère faire ça. Donc forcément, il y a des trucs que je ne fais pas, que j'ai envie de faire mais que je ne fais pas. Je veux dire, il y a beaucoup trop de choses. Il y a plein de trucs que je ne fais pas, alors qui me rapporteraient beaucoup d'argent, mais ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, etc. Donc je ne le fais pas. Il faut aussi trouver... tu vois, un petit peu ça. Mais Marilyn a la raison. Moi, j'ai beaucoup. Alors, il y a plein de trucs que j'aime pas chez les Américains, mais il y a ce principe de se dire, faut arrêter qu'on pense. En France, on aime bien se dire, on doit aider tout le monde. On est là, ouais. Alors, on est dans le tout le monde doit gagner sans rien branler. Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Déjà, je paye beaucoup trop d'impôts pour accepter ça, parce que franchement, j'en paye vraiment beaucoup. Mais derrière, moi j'ai un discours clair, c'est que le mec qui veut rien branler et qui me dit je veux gagner de l'argent sans rien foutre, ben moi je vais lui mettre une tarte dans la gueule direct. Je vais dire mec, c'est pas possible, sinon tout le monde serait millionnaire. Et ça, c'est un truc qu'on revient souvent en me disant ah ouais, si ça marchait, tout le monde serait millionnaire. Et c'est ce que je suis en train de t'expliquer, trou de balle. Donc au lieu de dire ça, regarde la vidéo et ferme ta gueule. Je suis en train d'expliquer dans la vidéo que tout le monde ne peut pas le faire parce que tout le monde ne va pas prendre l'énergie et le temps nécessaire pour le faire. Et souvent, ces mecs-là, c'est des gars qui sont là à critiquer 5 heures par jour, mais qui ne prendraient pas 5 heures de leur temps pour créer de la valeur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est important. C'est que, j'arrête pas de le dire, quelqu'un qui pense que c'est facile, il se trompe. Mais c'est pareil dans tous les concepts et dans tous les domaines. Quand tu es salarié, je vais reprendre encore un exemple. Quand tu es salarié, si tu veux monter des échelons, que tu es là, tu es à la base et tu veux monter les échelons, ben, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va prendre du temps. Il va falloir des fois passer à droite, à gauche. Il va falloir se vendre. Il va falloir. C'est chaud. Tu vas pas comme ça, le mec, il va pas te dire ah, c'est bon maintenant, ah, c'est bon, je te mets PDG parce que franchement, tu as fait un bon café ce matin. Mais non, ça va être chaud. Il va falloir être rusé. Il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Et bah c'est pareil. Dans le sport, c'est pareil. Tu ne deviens pas le meilleur en mangeant des pots de glace Ben & Jerry's. Non, ça marche pas ça. Ça marche pas. Ouais, je dis ça parce que j'ai mangé hier et que là ce matin avec le rameur, je me suis dit, ouais, je suis pas champion du monde. Parce que putain, j'étais vraiment pas bon. Mais d'un autre côté, c'est logique. Ouais, c'est logique. J'étais là, on s'est fait un petit challenge avec mon pote Jonathan qui était d'ailleurs. Et on s'est dit, on va faire des 6x500 rameurs. Et on s'est dit, on va challenger. Je fais, vas-y, on fait le challenge. Ouais, putain, mais par rapport au temps que je faisais quand j'ai du D4, c'est ridicule là. C'est ridicule. Mais. L'investissement, et c'est lui qui m'a fait cette magnifique phrase. Il m'a dit, je lui dis, putain, je suis mauvais. Il m'a dit, non, il n'y a pas de mauvais ou de bon. C'est une question d'investissement. Ah, mec, il m'a fait la leçon. J'ai dit, il avait raison en plus.
Et c'est une question d'investissement à l'entraînement. Tu t'es pas entraîné, tu peux pas être bon. Tu peux pas avoir des gros résultats. Donc le problème, c'est pas fais-le, fais les 6 x 500, on verra les résultats. Et au final, ce qui compte, c'est d'avoir des regrets peut-être sur l'investissement de l'entraînement, mais pas ce résultat. Le résultat est lié à ton investissement en entraînement. Et en fait, cette phrase, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou parce que c'est exactement ce que je vous explique pour le sport et pour le business. Si tu ne mets pas d'investissement en temps et en argent, tu n'attends pas des gros résultats. C'est logique. C'est une question de logique. Hein. Mais ça, c'est pareil dans tous les domaines. Hein. C'est tous les domaines. Même dans les commerces, un mec en dropshipping qui va te dire sans investissement ni en temps ni en argent, tu vas devenir millionnaire, c'est un mytho. Et le mec, c'est lui qui va devenir millionnaire, mais pas toi. Dans l'immobilier, c'est pareil. Si tu ne prends pas le temps de chercher des biens, de négocier, de faire ci, de faire ça, de faire des études, de marcher sur ton secteur, eh ben, ça ne marchera pas. Dans la bourse, si tu n'étudies pas le truc, que tu ne prends pas le temps d'étudier les zones, hein, j'y connais rien en bourse, mais tu vois, les périodes, les tendances, bah, tu ne gagneras pas non plus, tu perdras. Ça marche dans tous les domaines, donc il n'y a pas à tortiller. Ouais, mais c'est ça que je kiffe. Tu vois, au Canada et aux États-Unis, j'ai un pote, je vais vous dire ça, parce que il m'a dit ça la dernière fois, il me dit il s'est fait choper pour excès de vitesse aux États-Unis. Il s'est pris une amende, parce que là-bas, les amendes, elles sont assez chaudes, du style de 4 ou 500 balles. Tiens, bah, en parlant de ça, c'est 1,55. Ah, tu vois, malgré que j'étais mauvais au runner, je l'ai quand même battu. Ouais, ça fait plaisir. Ah, petit challenge, hein, forcément, c'est la compète. Mais j'aurais perdu, bah, je ne m'étais pas entraîné. Bref, je reprends mon histoire. Il était sur la route, excès de vitesse, plus 30, plus 40, je sais pas exactement. Donc le flic il sort, excès de vitesse, 400 ou 500 dollars. Mon pote fait, putain, ça fait chier, etc. Le flic, le policier lui dit, non, c'est pas grave, c'est que de l'argent, demain tu pourras en refaire 10 fois plus si tu veux. Le flic dit ça, va aux impôts, tu vas aux impôts, mec, tu prends un fonctionnaire, tu vas aux impôts. Tu feras putain 1000 euros d'impôts. Et tu mets une comique, tu fais, c'est rien, mec, tu vas faire du business, demain tu vas faire 10 fois ça. Et le mec, il va te dire, tu payes 1000 euros. Et on va te mettre un contrôle aussi à la gueule pour voir si tu nous as pas escroqué parce que t'as un escroc, espèce d'enculé, avec ton business. C'est ça en France, tu vois. De toute façon, où t'achèteras moins de Ferrari, où t'achèteras moins de Porsche et tu paieras plus d'impôts, puis voilà, enculé de riche. Ça, c'est la France. Aux États-Unis, le flic, il dit quoi? Tu referas 10 fois ça demain si tu veux. Truc de ouf. Ah, je sais que vous êtes au courant, les gars, mais je l'ai déjà dit dans le groupe. Là, je vous refais l'histoire. Et puis, il y a des nouveaux, j'essaye d'expliquer un peu. Mais au moins, ça prouve que c'est pas du mytho, parce que ouais, c'est toujours la même histoire. Bon, allez, on passe à quelques questions-réponses, là. Quelle heure il est? 47. Et on fait 10 minutes. Là, on fait qu'une heure tout rond, parce que cet après-midi, j'ai des rendez-vous. Donc, on fait 10 minutes, questions-réponses. C'est parti. Alors. Alors, je dois passer de auto-entrepreneur en SASU, est-ce que je dois faire la demande quand même? Alors, tu ne peux pas passer d'auto-entrepreneur en SASU parce que SASU, c'est une personne morale et auto-entrepreneur, tu es une personne physique. Donc, il faudra que tu coupes ton auto-entreprise pour passer en personne morale en SASU. Pour Amazon, alors là, c'est au niveau juridique, au niveau de la France, au niveau État français. Au niveau Amazon, c'est différent. Tu pourras demander une migration de ton compte en disant je le transfère de l'auto-entreprise à la SASU. Donc tu le fais directement, tu ne coupes pas ton compte pour en ouvrir un, ah, ce serait une connerie, tu fais une modification. Tu vois, c'est deux trucs différents. Alors, le séminaire le 9 mai, 9 mai ça c'est sûr, le lieu ça sera à Paris, pour l'instant je suis sur deux lieux différents. Ça va être, je fais un petit peu d'auto-promo parce que merci à David, le gars David Paul. Deux prénoms, encore un génie. Et ça, c'est une marque de génie. Je vous l'ai déjà dit, quand tu as deux prénoms, en général, c'est une marque de génie. Merci David, comme ça, je peux faire un peu mon auto-promotion au passage, ça fait bien plaisir. Et qu'est-ce qui se passe 9 mai, c'est un putain de show. On est en train de préparer un truc de l'espace. C'est pas un séminaire, c'est pas un séminaire en mode pimpinade. Non, c'est un séminaire, c'est un show. C'est un show. Je vous dis pas ce qu'il y a, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le 9 mai, il faut être là. Ce sera à Paris. On va commencer dans les préventes début mars 2020. On va faire un lancement vraiment un très très gros tarot. Et après, ça va monter crescendo. Il n'y a que 2 mois de vente, donc ça va vraiment aller vite. Et il y a 450-500 places, ça dépend de la salle qu'on va prendre. Déjà, je vais faire une offre avec mes membres en priorité.
On est 2000, hein. Donc ça se trouve, je remplis juste avec mes membres. Donc il ne faudra pas traîner, quoi. Il faudra vraiment, vraiment pas traîner. Comment débuter? Question trop large, il faut être précis. Hop, hop, hop. Et je prends les questions qui sont un peu précises. Encore une fois, quand vous me dites comment vendre sur Amazon, les gars, il y a 250 vidéos sur YouTube, il faut être un peu plus classique. Parce que là, je ne vais pas vous faire ça en 10 minutes. Hein. Est-ce qu'on coince vraiment si on utilise un nom commercial? Geek, si jamais tu utilises un nom commercial quand tu es auto-entrepreneur, je te le déconseille. Mets ton vrai nom, nom, prénom, basta. Tu t'en bats les steaks de ton nom de commercial. Tu pourras mettre un nom de boutique sur Amazon. Tu mettras Geek73400 si tu veux. Tu pourras le changer. Mais non, mais pas ça, parce que ça, c'est une source de galère avec Amazon. Donc franchement, fais-le pas. Merci Marilyn, bonne app. Ah, mais pourquoi tout de suite on parle de réduction? Déjà, le prix, il est ridicule des programmes. Et vous imaginez pas, à 1500 euros avec ce qu'il y a, mais je devrais le vendre au moins 3 ou 4000. Quand je prends les prestations d'accompagnement qu'il y a, mais le 1500 balles, c'est que dalle. Donc je vais pas, j'ai aucun intérêt à le brader. J'ai pas besoin. En fait, il faut juste comprendre un truc. Hein. Je vais peut-être faire le mec ultra arrogant, mais je m'en bats les couilles de vendre des programmes. C'est-à-dire que ce n'est pas mon business principal, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis formateur parce que ça me fait kiffer. Mais le jour où ça ne me fera plus kiffer, j'arrêterai de vendre des programmes. Et je ne m'en porterai pas plus mal. C'est-à-dire que le taf que j'ai fait, il vaut une sacrée valeur. Il vaut bien plus que 1500 euros. Donc déjà, encore une fois, quelqu'un qui me dit « j'ai 500 euros de budget, qu'est-ce que tu vas faire ?» Ce n'est pas parce que je vais brader mon programme que tu vas mieux réussir. Et c'est plutôt l'inverse. Les gens qui investissent plus, je vois, il y a des membres, alors je les ai peut-être pas vus passer aujourd'hui, ils ont pris le programme à 1500 et derrière, ils ont pris 3000 euros de coaching. Mais sauf qu'eux, ils sont déjà à 50 ou 100 000 euros par mois. Donc, l'investissement, c'est pas le même. Quand tu veux faire des choses avec des petits investissements, tu as des petits résultats. Donc, moi, j'ai aucun intérêt à faire rentrer des gens qui sont en mode 500, 300 euros, ouais, c'est trop cher, etc. C'est trop cher le programme, allez voir ailleurs. Clairement, je m'en fous. Allez voir des mecs qui font des programmes à 200 balles et vous verrez le résultat. Pourquoi les gens, d'ailleurs, viennent chez moi alors que je suis plus cher? Bah parce que le programme, c'est pas le même, surtout. Si tu peux pas comparer 6 ou 8 heures de programme avec 40 heures, avec tout ce qu'il y a dedans, des mises à jour. Là, je suis en train de refaire des modules sur le Seller Central, ce qu'on m'a demandé. On m'a dit, ouais, c'est pas clair. Enfin, c'est pas clair. Il y a des trucs trop débutants que moi, j'ai zappé. Vraiment des trucs ultra débutants. Donc là, je suis en train de refaire un module ultra, ultra débutant pour comprendre le Seller Central, les petits détails du Seller Central, parce que c'est vrai que c'est une usine à gaz. Et là, je suis en train de les faire, les vidéos. Donc ça, c'est encore un nouveau mise à jour. Il y a encore sur la pub, le module va changer. Le programme, en un an, il change des fois. La moitié, elle change. Enfin, il y a énormément de changements. Tout ça, ça se paye. Ça se paye. Parce que sinon, je pourrais avoir le même programme depuis 2018. Ce serait comment pourrave. Et ouais, je le mettrais à 400 balles et ça serait cool. Mais non, ce n'est pas mon objectif. Donc tout ce que je fais, ça a de la valeur. Et si ça a de la valeur, ça a forcément un coût. Basta. Il y aura sûrement d'autres promos. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de promos. Mais je sais pas quand et je sais pas combien, j'en sais rien. Mais j'ai aucun intérêt. Pour le moment, tu envoies les invitations. J'ai pas compris, David, de quoi tu me parles. L'autre David, Clara Morgan, on est en contact avec elle. Donc là, je sais pas où ça en est. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais on aimerait bien qu'elle vienne. Effectivement, vu le thème qu'on veut faire, c'est vraiment bien qu'elle fasse une intervention, qu'elle soit là. On est en train de voir pour un guest qui soit là le 9 mai. Clara Morgan, c'est ma number one parce que ça colle très très bien au thème. Elle fait du e-commerce. Je kiffe la personne. Franchement, elle fait des trucs de ouf. Moi, ouais, c'est ma number one sur le truc. Kevin, je rigolais. T'as pas fait de la rétention d'informations. T'inquiète. Mais c'est normal, tu vois. Après, on partage entre les personnes du groupe. Mais c'était une blague. Hein. Yes, Karel. Alors, Quadra Geek, il est plus judicieux de commencer en SASU direct plutôt qu'en auto-entrepreneur. Et vu que je veux vraiment en faire mon business, clairement. En fait, il faut croire que les gens pensent que le fait de faire une SASU ou une SRL ou une URL, c'est compliqué. C'est pas compliqué, hein, ça met une semaine à faire, c'est très simple. Franchement, c'est très simple. Après, la gestion comptable, j'ai vu que il y en a un qui m'a posé la gestion comptable. La gestion comptable, c'est pas compliqué, mais il faut bien le suivre. C'est important. C'est dur à dire des conseils là-dessus. Des trucs en ligne, moi j'en ai jamais utilisé, donc franchement, c'est compliqué de se dire un logiciel en soi parce que bon, il faut quand même un contact. Mais je suis en train pareil, et ça je peux pas le dire ici, c'est avec les membres, c'est l'écosystème qu'on est en train de mettre en place, mais on est en train de faire un truc un peu dans ce genre là. Mais c'est pareil, pour l'instant, c'est encore, il n'y a rien de fait, donc moi je me méfie, tant que c'est pas fait, je dis rien.
mais on est en train de préparer des trucs pour un écosystème complet. Mais ça sera que pour mes membres. Je ne vais pas commencer à faire un écosystème pour des gens qui ne sont pas mes membres, qui ne m'ont pas fait confiance. Donc là, pour l'instant, pour répondre à ta question, si tu veux vraiment faire ton business, vois grand. Le fait de faire une SASU, ça ne va pas te coûter de super cher en compta. Ça va te coûter 100 euros hors taxes par mois la première année. C'est à peu près les formules en fait, de début, de débutant, de lancement. Et derrière, tu pourras récupérer la TVA, tu pourras faire plein de choses, tu pourras faire passer des frais. Clairement, créer une SASU, SASU c'est pas mal si tu veux viser des dividendes. Moi par exemple, j'ai touché des dividendes là, pour l'année 2018-2019. Je le fais avec ma SASU de formation, je ne le fais pas avec les SARL. Parce que les SARL, les dividendes, tu payes du RSI dessus. Alors qu'en SASU, tu as 30% de ta taxe donc pour payer l'URSSAF RSI plus impôt sur le revenu. Donc, moi, vu les montants que j'ai pris, oui, il valait mieux que je fasse ça. Parce que sinon, le RSI, je me fais défoncer. Donc, j'ai assez fait défoncer comme ça, quoi. Donc, clairement, SASU, c'est plutôt. Moi, je le vois plutôt pour les dividendes. En salaire, par contre, en salaire, je prends pas de salaire avec la SASU. Parce que là, tu tapes 80% de taxes. Donc, c'est bien aussi, après, avoir plusieurs sociétés. Mais bon, déjà, pour commencer, si tu veux faire une SASU, pense que ça sera en dividende que tu vas te rémunérer. Donc, c'est-à-dire que pendant un an et demi, tu vas filer, même pas se filer de salaire. Remboursement de frais, à la limite. Mais pas de salaire. En SARL, tu vas pouvoir prendre un salaire, ça sera le RSI, 45%. En SASU, c'est 80%. Donc là, salaire, tu fais vraiment déboîter. C'est la notion, il n'y a pas que ça, mais moi, c'est la notion que je prends, en fonction de ce que tu veux faire en salaire. Alors, ça, je t'ai répondu. Alors, pour les personnes qui sont en attente de validation d'accès au mastermind, je vais le faire là. On a un peu de retard. Et vous rentrez beaucoup, hein. Faut voir qu'il y a 7-10 membres par jour, hein, des fois qui rentrent. Donc, des fois, quand il n'y en a que 5, j'attends un petit peu. Et on le fait manuellement, parce qu'on doit vérifier que c'est bien des membres, etc. Mais là, on va faire une petite session cet après-midi. Ok ? Ah, il y a des bonnes idées là, hein. Thomas Pesquet, ça me plairait bien. En plus, j'avais fait une photo, un petit montage. On a dit que je lui ressemblais, ou qu'il me ressemblait. Enfin, je crois qu'il est plus vieux que moi. C'est moi qui lui ressemble. Moi, je trouve pas vraiment, mais on a fait un petit montage et effectivement, avec le petit montage, on se ressemble un petit peu. Et vous y voir sur Instagram, c'était marrant. Alors, j'essaie de prendre des questions qui peuvent aider plein de monde, que ce soit pas trop du cas spécifique. Alors, Paul, bonne question. Je fais une demande à Pôle emploi pour le financement de la formation. Si jamais il me la refuse, y a-t-il des facilités de paiement? Yes, tu peux payer en une jusqu'à 8 fois. Donc, si effectivement tu n'es pas pris en compte par le Pôle emploi, tu pourras prendre le programme par toi-même. Mais fais bien le dossier. Pareil pour les dossiers Pôle emploi, travaillez bien votre rendez-vous. Venez pas comme des glands, les mains dans les poches. Venez avec un projet, venez en disant que vous vous formez, venez avec un projet d'objectif. Les gens vont dire: ah ouais, le mec est sérieux. Toujours pareil, pourquoi il te financerait si jamais tu arrives en mode touriste? Donc c'est important ça, vraiment de bien préparer votre rendez-vous avec votre conseiller. Ok, Mas, 370, merci, ça fait plaisir. Peux-tu prendre en compte le score affiché? Non, moi je prends pas en compte ça. Sur le X-Ray d'Helium 10, moi je prends en compte, il n'y a pas que ça, mais je prends en compte le nombre de ventes que les 5-10 premiers font. Et après, je vois s'il y a un potentiel. Fucking cat, allez, vas-y, dépêche-toi. Ouais, le chat qui. Ça, c'est un des bruits qui m'insupporte le plus. En plus, c'est en train de tout dégueulasser, je vais le défoncer. C'est derrière une fenêtre. Je peux péter un câble. Ça m'insupporte ce bruit-là. Les chats qui, comme ça, derrière lui, ils avaient 10 minutes, là, j'en peux plus. Bref. Kenavo, le groupe actif est très actif. Il faut demander aux gens, hein. Tu leur demandes, hein. ils sont là la plupart, donc tu leur demandes. Tu refais quand un live? Mais les gars, j'ai même pas encore fini ce live, que vous êtes déjà. Profitez de l'instant présent, profitez, là vous êtes dans le kiff du live, commencez pas à demander le prochain live. Kiffez là, le prochain live il est la semaine prochaine, non, c'est tous les jeudis maintenant. Tous les jeudis je fais un live, sauf s'il m'arrive un truc. Prendre un chien, j'ai pas le temps pour prendre un chien. Moi je kiffe les chiens, mais j'ai pas le temps. Ça, il serait trop malheureux. Oh, Stéphane de Rush, coaching privé, comment ça se passe? Mais ça, tu devras le savoir, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Après, il faut que tu me précises, c'est le coaching privé qui est inclus dans l'offre ou c'est du coaching privé complémentaire? C'est deux trucs différents. Donc précise.
Yes, très acquis. Bon, voilà, tu vois, j'ai pas besoin de. C'est eux qui le disent, c'est pas moi, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup vraiment de trucs. Il y a beaucoup de. Beaucoup d'échanges, et honnêtement, c'est rare qu'une question reste sans réponse 24 heures. C'est très rare où la question elle est vraiment con. Ça peut arriver également. Mais voilà, franchement, il y a vraiment beaucoup de retours. On a quand même pas mal de monde très actif. Moi, j'essaie d'y passer régulièrement. Je passe pas forcément tous les jours en ce moment, mais si en temps normal, là, je suis en train de mettre des structures qui vont me permettre de me libérer du temps, j'y passe tous les jours. Donc, j'y suis tous les jours. Donc, je réponds pas forcément à tous les messages, que des fois il y a suffisamment de réponses, mais j'y vais quand même pas mal. Laurent, ouais, bah, je suis en train de travailler un peu sur les déblocages, c'est le dernier élément de tout mon écosystème que je suis en train de mettre en place. Et une fois que j'ai ça, là on est vraiment au taquet, quoi. On est vraiment bien. Ok. Ouais, le mastermind, c'est groupe Facebook, c'est ça, ouais. Les fournisseurs chinois, ils ont repris. Donc là, il y a eu le 17, ça a repris là pour les fournisseurs. Donc attendez-vous quand même à avoir pas mal de retours, enfin pas mal de décalage. Moi, je vous conseille, si vous avez un petit peu de stock, moi, je vais vous prendre mon cas perso. J'ai deux produits qui vont être en rupture, mais de toute façon, ils vont être en rupture quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que là, j'ai pas suffisamment de stock, il me reste 10 jours de stock et il me faudra pas 10 jours pour les importer. Donc, c'est des produits que j'avais hésité. Je pense que là, c'est un signe du destin. C'est un produit que. Ces deux produits, je ne sais pas si j'allais continuer. Bon, bah là, ça a sonné de là. Hein. Parce que là, le temps d'avoir un réassort, j'ai au moins 6 semaines de délai. Donc, 6 semaines de rupture, sachant que ce n'est pas des produits. Je suis 3-4e dans la catégorie, je suis pas premier. Donc je vais les arrêter. Donc bon bah, c'est pas grave. Ouais, on entend le chat, bah, il est en train de me péter les couilles. Donc effectivement, je l'entends aussi. Il est en train de tout salir alors que la femme de ménage était là ce matin. Donc là je suis un peu vénère. Avec ses putains de pattes, il a dégueulassé tout le bureau. Et voilà. Vivement que je me barre dans le sud, ça sera plus sec. Bref. Alors. Yes, il faut faire une demande pour le groupe et je vais les valider. Je vais le valider juste après, là, comme ça, au moins ça sera fait. Pour les classes en plus, il faut que tu vois Climpy. Normalement, tu peux, mais est-ce que tu peux le faire après? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Il faut demander à Climpy directement. Les chats de millions de jaunes, ouais. Bref, je vais y aller parce que là, c'est des questions après que j'ai déjà répondu plein de fois. Donc, la thématique. Ouais, je vais pas vous dire ce que c'est, les gars. Il faut. Non, je connais pas la BD Putain de chat. En tout cas, voilà. C'était pour vous donner un peu les nouvelles d'Amazon. Donc là, c'est vraiment la fin des conquistadors. Il va falloir faire les choses de plus en plus sérieusement. Mais en tout cas, c'est ce que je vous dis. Donc moi, je suis dans ma lignée. Ça compte très bien. Et voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et en tout cas. Team Wano, Team Phoenix, à vous de choisir. Et si vous êtes là, vous êtes dans la Team Phoenix, donc je compte sur vous. Ne lâchez rien, même quand c'est dur. C'est à ce moment-là qu'on se forge un état d'esprit qui sera très bon pour faire des choses et devenir surtout inarrêtable. C'est surtout ça qui compte. En tout cas, je vous laisse. Bonne journée à vous. On se trouve prochainement dans un autre live YouTube. Le chat risque d'être pas là la semaine prochaine. Parce que je sais pas ce que je vais lui faire. Je rigole. Mais là, il me saoule. Donc, en tout cas, on se retrouve le 9 mai. Ouais. Le 9 mai, le séminaire. Les membres, vous aurez une offre de ouf. Il faudra pas la louper. Et après, il y aura une offre vraiment de lancement début mars. Et ça va être du lourd. Donc, ça, vous allez bientôt avoir des pubs qui vont tourner à partir du 1er mars, je pense. Donc, voilà. À plus tard. Ciao, ciao.